Viens voir les jolies fleurs là qu'il y a. Ça ? Regarde ça. Ah ouais, dis donc, c'est super joli. Regarde ça, ça pousse vraiment dans la pierre avec un peu de mousse dessous. C'est hallucinant, hein ? Il y en a partout, partout. Dernier jour, chemin du retour. Et là, ce matin, on s'est régalé avec les... Toutes les fleurs. Toutes les fleurs, ouais. Hein ? Ouais, c'était magnifique. On a vu plein, plein, des tapis de fleurs, toutes les couleurs. C'est vraiment incroyable. Et puis ces senteurs particulières, on les a eues tout le long des 5 jours d'ailleurs. Hein. Les senteurs particulières des fleurs. Ouais. C'est rare des coins comme ça où on a autant de fleurs. Ouais, c'est vrai, une variété vraiment incroyable. Et puis aussi au niveau des insectes. Ouais. Les papillons, on n'en a jamais autant vu. Oui, oui, incroyable. Les sauterelles aussi. Donc là, on descend dans le vallon de Clapeto pour rejoindre Arvieux. Donc ce vallon qu'on va pouvoir apercevoir là devant nous, tout en bas. Donc là, on traverse le petit village de Clapeto, on va dire appeler ça un village, mais les quelques maisons qui servaient pour le pastoralisme autrefois, dans cette descente sur Brunissart, pour aller rejoindre après notre voiture qui se trouve encore au col de Furfonde, hein, qu'on n'a pas récupéré. Dans cette vallée là qu'on descend, qui était vraiment sympa. Et ben voilà, c'est ici que notre fin de rando s'achève, après 5 jours dans les montagnes. Ouais. Un beau périple, en partie qu'on connaissait pas. Et qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as pu... Bah écoute, moi j'ai adoré, oui, parce que c'était très très sauvage. Le parcours que tu avais préparé était vraiment très bien fait, sincèrement. Dans des endroits très sauvages, on n'a rencontré personne pendant 5 jours, sauf aujourd'hui forcément sur des sentiers balisés. Bon, bah maintenant, il s'achève ici, dans le vallon de Clapeto, hein, qui est vraiment vraiment sympa. Ah ouais, chouette. Et puis on va aller rejoindre notre bagnole, oui, récupérer la voiture. C'est là où ça va être le plus difficile. C'est là où ça va être le plus difficile.